Mes chers amis, l'heure est grave. Les gens qui passent le temps à dire que oh, la vie est devenue dure, il manque quoi manger, comme quoi le kilo de tomates, le tas d'arachides a augmenté, ceci, cela, les œufs sont passés de 75 à 250. Venez voir ce que le chinois, lui, il fait pour survivre. N'avez pas dit que vous aimez trier les nourritures. Voici donc le coq. Le coq. Parce que la dernière fois, j'ai vu un débat qui faisait état, je sais pas moi, au coq sucré. VS le coq débassa. Voici donc le vrai corrigé du coq, fait par un chinois. Regardons ensemble. Regardez. Le gars va directement se servir dans la rigole. Hein. Il n'y a pas que eau. Il ramasse ses trucs, bien gluants, bien verts. Il ramène chez lui. Il prend le temps de bien laver. Il lave bien. Regarde comment la saleté sort sur ça. Il lave encore. Regardez bien. Voilà, regardez comment l'eau est devenue claire. Ça veut dire que c'est bien propre. Là, il presse. On dirait du chiffon en fait, ou des cheveux. Maintenant, il va venir, il va bien faire bouillir ça, comme il le faut, en remuant. Hein. On n'oublie surtout pas de remuer. On remue bien. Maintenant, quand ça a cuit, on prend un plateau bien propre. On met sur ça. Miam, miam. Un peu de cube magie, un peu de sel, poivre, un peu de liquide, je sais pas moi. Et le repas est prêt. Un coq fait en moins de 30 minutes et surtout avec les ingrédients proches de chez vous, quoi. Vous blaguez pas. Maintenant, comme je sais que Yaoundé est rempli de rigoles comme ce que je viens de vous montrer dans la vidéo, qu'est-ce que vous attendez? Allez faire votre coq. Vous ramassez vos trucs verts, votre verdure dans la poubelle, dans la rigole, pardon. Vous venez, vous lavez bien, minimum 3 fois jusqu'à ce que l'eau soit bien claire. Une fois que c'est bien propre, vous faites bouillir. Dès que ça a bien bouilli là, vous prenez votre plateau, vous mettez bien. Maintenant, vous assaisonnez à votre goût. Si vous aimez le piment haut, vous mettez le piment. Si vous aimez le maceb et que vous avez le maceb, mettez le maceb. Pour les plus courageux, vous pouvez rajouter les œufs, les arachides. En tout cas, sincèrement, c'est chacun comme il peut, quoi. Donc, sincèrement, la personne qui va encore m'écrire en inbox me dit « Marie Bibi, franchement, la vie est chaude. Le Cameroun est devenu dur. » Moi, je vais seulement lui envoyer la vidéo aussi haut. Et ne m'insultez pas. Ne m'insultez pas. Parce que si les Chinois arrivent à manger ça, ça veut dire que toi aussi, tu peux manger ça. On est d'accord, non? Maintenant, on va regarder notre vidéo. Regardez. C'est-à-dire que le gars prend la peine de laver sa poule. On brosse bien ses poils-là. On rince la poule jusqu'à la poule est contente. On finit de laver bien. Maintenant, il faut sécher les poils-là. Parce que vous savez, c'est mouillé, quoi. Donc, elle prend le sèche-cheveux, elle sèche. La poule est zo comme ça, là. Maman, il s'assoit, lui, il commence à boire avec sa poule. Juste qu'il donne même pour la poule. Maman, la poule là va saouler. La poule s'y va saouler, je suis sûre et certaine. J'ai moi dit non. Regardez, la poule a saoulé. Hé, maman, ou bien c'est le piège. Donc, on a fait. On a fini de le laver comme ça, sécher ses poils, donner un peu la bite. Donc, en gros, c'était son dernier kiff sur la terre, quoi. Maman, Sarah. C'est comme ça qu'on va traiter les panthères et les filles chats de Yaoundé. C'est-à-dire que on vous attire, on vous lave bien, on vous rince, on vous donne l'argent, on vous donne un peu d'alcool dans les bars et puis bim. Donc les filles, dites-moi ce que vous avez retenu de cette poule en fait. Moi personnellement, je retiens une seule chose. C'est exactement comme ça que les porteurs, les sugar daddy, les gens qui viennent vous draguer là vont vous traiter. C'est-à-dire qu'au début, ils viennent en mode oui, t'inquiète pas, je vais prendre soin de toi. Avec moi, tu ne vas manquer de rien. C'est exactement ce qu'on a fait à la poule. Hein. On a lavé, on a bien séché, on l'a même donné, on lui a même donné de l'alcool, quoi. Et puis, pam, dès qu'il a été saoulé, crac, on a fini avec sa vie. Donc faites attention, oh, les filles. Les sugar daddy, avec leur ventre, quand ils viennent là, ils vous promettent c'est l'été, la lune. Oh, je vais te sortir du marigot. Oh, tu ne vas plus marcher à pied. À partir de maintenant là, tu seras ma baby. Donc faites attention parce qu'on va vous traiter net comme cette poule. On va vous amener faire le shopping. On va vous amener faire des trucs. Après, bim, direction le bar. Une fois que tu as bien saoulé, plac, on voyage avec ton âme un tour. À bon entendeur, salut. Alerte, alerte, pour les Waspy Lady. Sachez que vous avez jusqu'à 6 jours avant la fin du mois de mars, voilà, pour continuer à bénéficier des consultations gratuites sur l'application Waspito, voilà, qui vous offre des soins et des consultations à distance. Première chose, il suffit de télécharger l'application. Si vous voulez, vous pouvez consulter un médecin généraliste, cardiologue et même un gynécologue. Et tout ceci, c'est gratuit, c'est genre, parce qu'on est en mars, le mois de la femme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit donc de télécharger l'application Waspito et avec le code promo TOP WOMAN, T-O-P
BWOMAN. Vous bénéficiez d'une consultation à distance gratuite. Donc, si tu as des problèmes, je ne sais pas, de manière générale, ou si tu veux consulter ton gynécologue au calme, ou même ton cardiologue, c'est le moment de profiter de la réduction. Parce que actuellement tout est gratuit en consultation pour le mois de la femme. N'hésitez pas à télécharger l'application Waspito. Maintenant, pour ceux qui sont désireux de faire leur bilan de santé de manière générale, sachez que ce dernier ne coûte que 10 000 francs CFA sur Waspito. Vous n'avez qu'à télécharger l'application et faire votre demande payée. Et voilà, à vous le médecin chez vous. Aussi, sachez que vous pouvez faire le bilan de santé cardiologique à seulement 30 000 francs CFA. Les amis, je ne sais pas ce que vous attendez, foncez et téléchargez-moi au plus vite cette application. Je voulais également vous parler, voilà, d'un service de livraison qui s'appelle Sieco Livraison. Pour toutes les personnes, voilà, qui font du commerce en ligne, les e-vendeurs, voilà, vous pouvez tout simplement vous faire livrer des colis à vos clients via ce service qui est ultra rapide, sécurisé et surtout le plus important, c'est un service qui coûte tellement moins cher puisque la course elle est à 400 francs CFA seulement. N'hésitez pas à les contacter via les différents numéros qui s'affichent là à l'écran. Avec eux, vos colis sont livrés en toute sécurité dans toute la ville de Douala. Donc sincèrement les amis, foncez et allez voilà, discuter avec eux pour voir les modalités pour qu'ils commencent à livrer vos clients tout simplement. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a réussi, voilà, à vous arracher un petit sourire parce que c'était là l'objectif, hein. Voilà, j'espère que vous vous portez tous bien, que votre journée a bien commencé et que votre week-end se déroule également comme vous l'avez prévu. Prenez soin de vous, soyez prudents parce que je sais qu'actuellement, voilà, c'est samedi, c'est les bruits. Mais n'empêche que prenez soin de vous, soyez prudents parce que vous savez, le diable ne dort ni ne sommeille. Il est tout le temps en train de rôder, chercher à tout moment à vous arracher votre vie ou votre âme. Donc soyez prudents, prenez soin de vous et en toute chose, recommandez votre vie dans les mains de l'Éternel parce qu'il n'y a qu'en lui qu'on trouve la sécurité véritable. Prenez soin de vous, je vous aime, je fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!